J'avais offert des billets d'avion à mes parents pour qu'ils viennent en France, mais hélas, ils n'ont pas pu le prendre. Mon père était déjà très malade, le médecin a refusé. Et à chaque fois que je suis venu ici et que j'ai essayé de faire ce métier et réussir ici en France, c'est pour eux, pour le voyage qu'ils n'ont pas pu faire, je le fais pour eux et c'est pour eux que je veux réussir en France. C'est ça, Stéphane. Je vais peut-être pleurer éventuellement, mais... Non, mais moi, ça ne m'a fait pas pleurer, mais non, ça m'a particulièrement touché, voilà. Non, mais c'est vrai. Puis ma mère est décédée quand j'étais jeune. À ce moment-là, quand je voulais que mon père vienne me visiter, puis c'était avec sa copine, il a été 25 ans avec une femme par la suite, la superbe Thérèse, qui, elle, j'ai eu la chance d'inviter il y a 2 ans. Et puis ça me fait plus de bien à moi qu'à elle, probablement, mais de voir cette dame qui a 67 ans, j'espère que je ne vous vieillis pas, ma belle Thérèse, mais... de la voir ici avec ses yeux d'enfant, découvrir le Lido, je l'amenais partout, tous les classiques, là, tous les incontournables. C'était magnifique. Vraiment, j'étais ému. Et puis, on l'a baladé partout. On l'amenait